Akiradioandora.com, le site d'archives et d'histoire de Radio Andorre. Émission du 16 août 1976, présentation François Chevalier, réalisation Ramon Sanchez. Chanté par Elton John et Kiki Dee, qui met un point final à ce rendez-vous en direct de Canet-Plage. Nous étions ensemble depuis 16h30. Je vous retrouve d'ailleurs demain après-midi à la même heure, 16h30, 18h30. Demain matin, c'est Jean-Jacques Lebézy que vous retrouverez entre 10h30 et 11h30 pour Langue de Groussillon Actualité. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée et rendez-vous demain 16h30. Voilà. À bientôt. Le rendez-vous est pris et nous serons fidèles à ce rendez-vous. Bonsoir, vous êtes en compagnie de François. Jusqu'à 21h. Eh ben oui, il faudra vous y faire, mes enfants. Ça, c'est une question vraiment qui ne se discute plus. Je vous signale une information redoutable, vous êtes à l'écoute de Radio Andorre sur 428 mètres en onde moyenne, qu'il est quelque chose comme 18h32. Et qu'il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu John Miles, alors je crois qu'on peut toujours se faire plaisir. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible.
impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through.
Pour tous vos problèmes de transport, la meilleure solution, Transport Transval, 42 avenue du Pessebre, Les Escaldes. Téléphone 21 879. Transport Transval, déménagement toute distance, un transport sûr, rapide et efficace. Vous êtes un jeune loup, vous mesurez 1m80 au moins, vous êtes bien bâti, alerte, pas désagréable à regarder, éducation impeccable, esprit vif, entreprenant et dynamique, et vous cherchez une situation au niveau de vos mérites. Eh bien, dites-donc, vous ne me prenez pas pour de la petite bière. Radio Andorre, le chemin le plus joyeux d'un point à un autre. Pas un Memphis, je suis de Paris, pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway, j'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais Passy, pas Albany, je suis pas Yankee, t'es un Titi. Moi je suis pas pour les cocoricos, mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show, je demande pas mieux, mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story, c'est bien fini. Le parapluie, c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn-Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Pas besoin d'aller à Byzance pour se dorer la panse. Vois le cap de bonne espérance. Je le double à moto. Pas blague. Je connais plein de coins de pêche, de Dunkerque à Monte-Carlo. Et les rivières de la pêche sont plus propres que le Congo. Dans longtemps, dans cent ans, quand nous serons tout au bout de la vie. Alors rien, ça vous rappelle rien cette terre-là, hein? Écoutez bien, ça me rappelle quelque chose, une espèce de petite chanson. Voyons, c'était pas Distel qui chantait ça? Une belle vie, que l'amour met dans nos bras. Il faut la garder auprès de soi. Il me semble bien aussi que ça me rappelait quelque chose. Ce soir, les cigales et la nuit à la belle étoile. Ça vaut mieux que tous les hôtels à quatre étoiles. Pas besoin d'aller à Byzance pour cueillir des noisettes. Moi le cap de bonne espérance, je double la bicyclette. Par blague. Merde. Pour faire l'amour comme on aime, n'importe où et n'importe quand. Le soleil est le même.
Jérusalem. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, moi, je cherche le quartier juif. Et partout, les pays sont beaux du moment qu'on s'aime. Trouvez un disque plus navrant que celui-ci. Léo Bonheur des Dames s'engage à faire mieux la prochaine fois et vous offre, devinez quoi ? Amis, je vous invite champagne. Le champagne. C'est foutu champagne. Elle ne m'a rien dit, elle ne m'a rien laissé. Je vais prendre une musette. Danser et faire la fête. On met le feu, on crache des flammes, au bonheur et l'âme. On vous prendra tous corps et âme, au bonheur et l'âme. Chaque fois que je passe à la télé, je fais. Des vacances, c'est le glissement de vos skis sur l'eau, le saut des vagues et retrouver après l'effort la fraîcheur de Pastis 51 Anisette. Avec Pastis 51 Anisette, vous serez heureux comme un 51 dans l'eau. C'est le Truman Sound. Et vous savez que c'est Raymond Sanchez à la technique. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la
chose me semble plus grave, et je me dis en la voyant. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le foufou de son jument qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce foufou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise, il devient fou. Et joaillerie Diamant d'or et Brillant d'or, 17 et 58 avenue Méritschel, Andorre-la-Vieille, un expert en pierres précieuses vous accueillera. Spécialiste de la bague de fiançailles et de création de joaillerie modèles exclusifs, Diamant d'or et Brillant d'or mettent leurs ateliers à votre disposition pour gravure ou retouches immédiates. En Andorre, rendez visite aux bijouteries et joaillerie Diamant d'or et Brillant d'or, 17 et 58 avenue Méritschel à Andorre-la-Vieille. Le concert que vous allez entendre vous est offert par... François. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir à tous les amateurs de 78 tours et de disques qui grattent pas en provenance de la discothèque historique et secrète de Radio Andorre. Notre concert radiophonique de ce soir comprendra trois morceaux de jazz et une chansonnette. Pour commencer, Jumping at the Woodside, un thème de Count Basie, interprété par Benny Goodman et son orchestre. Thank you.
Notre concert se poursuit maintenant avec Honey Suckle Rose de Razaf et Valère, un foxtrot par le trio Bob Hamilton, comprenant Bob Hamilton à l'orgue électrique, Fred Woolston au piano et au celesta, et Al Hassel aux percussions. Special de Benny Goodman et Lionel Hampton, un foxtrot interprété par l'orchestre de Lionel Hampton. Thank you.
poursuivre notre concert, voici maintenant une page de réclame. Qui croque un tuc est un croque-tuc, et un croque-tuc qui croque un tuc dans sa crique ne se laisse jamais craquer. Crac, il croque un tuc, c'est naturel. Tuc, c'est rien que du froment, du malt et du sel. D'ailleurs, c'est écrit sur le paquet. Tuc, c'est le goût franc et naturel d'un vrai biscuit délicatement salé. As-tu ton tuc ? En plein centre d'Andorre, le restaurant La Truite vous offre, dans le cadre agréable de ses trois salles à manger panoramiques, une cuisine française et espagnole, ainsi qu'une importante gamme de spécialités andorranes et un grand choix de vins. Surtout, n'oubliez pas qu'une bonne truite doit se manger dans un restaurant spécialisé. Alors, touristes de passage en Andorre, retenez cette bonne adresse. Restaurant La Truite, 58 avenue Méritschel, à Andorre-la-Vieille, téléphone 20 773. Et pour terminer, une chansonnette signée Raymond Vinci et Francis Lopez, extrait de l'opérette La Route fleurie à Madagascar, est interprétée par Bonville. Veuillez écouter. Lorsque j'étais matelot, quand je voguais sur les flots, un peu dans tous les pays, quand l'amour m'a souri, l'aventure a suivi. À Mama, à Dada, à Gaga, à Skaska, ce fut à Madagascar par hasard qu'une belle aux dents d'ivoire un soir m'a donné le noir. Au Mimi, au Sissi, au Sissi, au Pipi, ce fut au Mississippi, mes amis, qu'une belle enfant m'a mis dans tous mes États-Unis. J'ai perdu ma petite fleur en Floride. J'ai souvent fait la bombe à Bombay, mais après, au bébé, au néné, au zouézoué, au lala, ce fut au Venezuela, au lala, qu'une belle soupira, Vene Venezuela. Oh, que c'est drôle, ça. Quand j'aurai des cheveux blancs, s'il m'en reste encore autant, à tous mes petits-enfants, je dirai, évoquant mon passé si troublant. À Mama, à Jaja, à Jaja, à Kaska, ce fut à Madagascar, par hasard, une belle aux dents d'ivoire, un soir m'a donné le noir. À Pompon, à Didi, à Chéché, à Riri, ce fut à Pondichéry, mes amis, une superbe houri, sur un pont m'a dit chérie. Au Cap-Vert, j'ai passé des nuits blanches. Au Congo, j'ai dansé la conga, mais voilà. Au Guagua, j'ai Hong Donald, Buck John, Capitaine Haddock, Tintemelo, Marge Belhamé, Atsbagar Lahlo Walashfet, Le de Dupont, Professeur Tournesol Sava. أجمعت تسرقو تسوث كور ذي ذرن حجفن تبلق شمورا انت سفتي تقراكيني ذنيان بلا لندك واد وخامد ما شاهو ساد سلال يا لا لا يا لا 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 بلا لندك واد وخام يا لا لا يا لا 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 اذ ما شاهو ساد سلال. J'ai acheté la caravane 20 000 francs avec les copains pour aller voir la petite sœur et les grands-parents en Suède. Aïe, putain. Asbelo. Nadine Rabouk.
Voilà, avec la complicité de Pierre Péchin, de Jacques Brel, du Bonheur des Dames et de Rava et Vanuva. Dans ces conditions, on se demande vraiment comment Gérard Manset a pu faire pour être recruté, vraiment. Avec une bien belle chanson, pourtant. Il y a une route. Il y a une route. Il y a une route. Tu apprends qu'est-ce que ça coûte. Il y a une route. Il y a même un chien qui court la tête entre les mains. Pendant des années, des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée, avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Il y a une route comme une blessure, on verra l'os de ton visage. Il y a une route. Des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Y a une route qui coupe la brousse. Y a une route emplie d'oiseaux malades qui regardent vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Y a une route. Y'a des fleurs comme des anémones qui attendent la pluie. Y'a une route, tous les 10 ans, y'a un marin qui jette l'encre au café du coin, qui parle de voyager plus loin. Après la route, faut prendre le train. Tu descends dans le petit matin avec ta valise à la main. Y'a tellement de bruit que t'as plus d'oreille pendant que la fumée mange le ciel. Tout est pareil, parce qu'il y a une route. Tu l'allonges ou tu la coupes. Tu t'allonges et on passe dessus. Ou tu te lèves et on tire dessus. Mais il y a une route, c'est mieux que rien. Sous tes semelles, c'est dur et ça tient. Qui est en train de chanter à son contrôle que les kilomètres à pied, ça use les souliers, toute cette sorte de choses. François Chevalier est en votre compagnie jusqu'à 21h. Il faut vous faire à cette idée. Pour l'instant, il est quelque chose comme 19h31. Il y a des gens qui travaillent en ce moment. Si, si. Il y a des gens qui travaillent, on pense bien à eux, hein, même s'ils appellent pour dire comme ça ce qu'ils pensent de l'émission. Ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, merci. En attendant, on commence l'heure anglaise de cette émission avec 10 Years After. On vient d'entendre le titre, ça s'appelle Rock and Roll Music to the World. Yeah.
Andorre, la seule station sans limitation de vitesse. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kicks against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the track. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they was blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. I tell you folks they had a jamboree. And drinking beer from a wooden cup. The folks that dancing got all shook up. They started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old way you use it. Vous qui êtes de passage en Principauté d'Andorre, vous savez que nous vous proposons de participer à deux émissions publiques qui vous sont spécialement destinées. D'abord à 11h30, ce sont les Jeux de Jérémy. Vous revenez avec, vous partez avec une brouette et vous remplissez votre brouette avec tous les cadeaux qu'on vous offre. Et puis à 16h, c'est votre serviteur François Chevalier qui vous reçoit, qui donne la parole aux estivants et vous pouvez parler de votre ville, de votre région, de vos vacances, de ce qui vous intéresse. 11h30 et 16h de rendez-vous, l'un à notre podium et l'autre dans nos studios d'Andorre-la-Vieille. Votre voiture a beaucoup roulé cette année et vous vous demandez à la veille de partir en vacances si elle vous conduira sans problème jusqu'à la destination de votre choix. Alors n'hésitez pas, faites vérifier votre véhicule par l'un des 140 centres des Automobile Club. En 30 minutes, des techniciens spécialisés des Automobile Club contrôleront tous les organes de sécurité de votre automobile. Et vous pourrez prendre la route au volant d'une voiture sûre. Alors pour retrouver le plaisir de conduire détendu, adhérez à un Automobile Club. Pour tout renseignement, adressez-vous à l'Automobile Club de votre région ou écrivez à Radio Andorre, boîte postale numéro 1 en Principauté d'Andorre. Vous souffrez de brûlures d'estomac, de mauvaise digestion, de mauvaise haleine, de corps, de verrues, d'acné, d'eczéma? Bad Mother Boogie. C'est un groupe anglais. Il s'appelle Cactus. Avec tous les piquants fournis gratuitement. Offert par Radio Andorre naturellement. Sur 428 mètres en onde moyenne, qu'on se le dise. I said I got myself an old lady. She don't work, she good. She don't know the sound of rhythm in her neighborhood. She's always so lazy. She don't know what to do. So I give her some rhythm, baby. Oh, ooh, ooh. Said you get your rhythm out there and you get some R&B. You kind of shake that little thing up there and you just wait and see. Said you get the motion and you get that vibration going. You know, baby, you got something through. That's what I'm saying.
wanna see you get it on. Just one more time, and we're gonna boogie some more, and it'll be alright. Are you ready? Are you ready? Are you ready? For some good old boogie and stuff. I'll send a cake from way down there. Charmante bluette Allegro Vivace Malantropo était signée Cactus. Le concert se poursuit avec le Minuetto Allegretto, opus 428 de Status Quo, sous le titre Break the Rule. Dans 16 petites minutes, il sera 20h. Et nous retrouverons Jérémy. J'ai fini de dire, je n'ose plus. C'est fini. Je dis plus rien. Et je dis que je le dis. Thank you.
coup de fraîcheur dans votre transistor. Son petit pied vespéral, Sweet Jane, cher John, et c'est Lou Reed. Jack is the banker, Jane, she is the clerk.
Espagne, avenue Trémozin, dans la vieille, vous propose un très grand choix d'articles de maroquinerie. Articles de voyage, trousses de toilette, nécessaires de bureau et même des etc. Art Espagna vous offre une maroquinerie artisanale de grande qualité en provenance d'Espagne et d'Italie. Art Espagna, c'est 1000 idées de cadeaux merveilleux. Art Espagna, le magasin qui est vraiment vareuse, qui est vraiment... Non, il est unique, excusez-moi, je me suis trompé de vêtements. Qui est vraiment unique en Andorre. Art Espagna pour faire plaisir ou tout simplement pour vous faire plaisir. Art Espagna, vous découvrirez la différence. Une autre, bon d'accord. Maintenant pour vos déplacements, vous avez un ami qui s'occupe de tout gratuitement, c'est Indépendant Voyage à Perpignan. Pour un billet de train ou d'avion, il suffit d'un simple coup de téléphone à Indépendant Voyage. Vous appelez le 61 66 28 à Perpignan et Indépendant Voyage se charge de tout sans supplément. Retenez bien le numéro 61 66 28, Raymond Sanchez, répétez ce que je viens de dire. 61 66 28, très bien. Et notez l'adresse 14 rue de la Loge. Indépendant Voyage se trouve à Carcassonne, Narbonne, Béziers, Castelnaudary et Nice. Qu'on m'apporte une petite bière, mais une bière qui roule et qui n'amasse pas mousse. The Rolling Stones. Hey Negrita. Tiens, on m'a apporté du fromage. Merci pour le fromage. C'est un auditeur anonyme qui vient de nous téléphoner une boîte de fromage, dites-donc. Bon, on se les écoute, ces Stones, oui ou non? Body, do it now. Shake body, move it up now. Hey, Rita, hey, now. Hey, Rita, shake it up now. Now
Je ne vous cacherai pas, braves gens, qu'un des meilleurs moments de cette émission, c'est l'heure où Jérémy vient faire l'espoir. Et il y a une masse d'amis qui sont au contrôle à côté de Raymond Sanchez, des supporters de Jérémy qui sont venus là pour encourager. Venez nous voir, venez nous voir. Here's one last dollar, and then we'll go. One last dollar, I say, I got my pride. Don't cut your mouth, boy. I'm gonna tell you how. Greta, ce sont les Rolling Stones. C'était les Rolling Stones. Pour ne vous rien cacher, il ne va pas tarder à être 20h avec les sports et Jérémy. Tout ça pour moi, croyez-moi, ça me fait très sincèrement plaisir, mon cher François. Bonsoir donc, je vous ai dit hier, après les résultats du week-end sportif, que nous allions revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant ce fameux week-end. Et nous allons y revenir tout à l'heure, notamment sur le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, et également sur d'autres épreuves, dont ce que je vous annonçais pour ce soir, c'est-à-dire le Grand Meeting International d'Athlétisme qui va se dérouler à Nice. Auparavant, nous allons parler de cyclisme. Puisque bientôt, c'est-à-dire du 26 août au 29, aura lieu le Tour du Limousin. Or, le père du Tour du Limousin, le commandant Louis Perrier, a voulu que la 9e édition de son épreuve réponde strictement au double objectif fixé par le commandant Richard Marillier, c'est-à-dire le sélectionneur pour les championnats du monde de cyclisme, et présenter tout au long des trois étapes un tracé exempt de grosses difficultés afin de se rapprocher le plus possible du circuit du championnat du monde des professionnels qui se disputera, vous le savez, le 5 septembre en Italie, et ainsi permettre aux meilleurs amateurs de se roder efficacement pour le Tour de l'avenir grâce à des étapes d'au moins 180 km. Le commandant Louis Perrier n'a pas oublié par ailleurs que Francis Cambaner, qui se trouvait quelque peu délaissé l'an dernier, a dû être engagé par Peugeot à sa victoire dans le Tour du Limousin. Aussi a-t-il décidé cette année de mettre sur pied une formation où seront enrôlés les coureurs ne possédant présentement plus de contrat. Cette décision doit intéresser au plus haut point des hommes comme Mollet et Berland par exemple. Pour l'heure, les grandes équipes françaises ont confirmé leur engagement, c'est-à-dire Peugeot avec Thévenet, Sibille, Danguillaume, Gitane avec Hinault et Martin, Lejeune avec Auvieux, il y aura également Jobo Volbert,
Mico de Gribaldi et bien entendu Gann Mercier avec Raymond Poulidor qui laisse échapper l'an dernier la victoire de bien peu et qui courra évidemment chez lui. C'est immédiatement après le 16 août que le commandant Maridier fera connaître la composition des deux équipes de France A et B qui seront en majorité composées des coureurs présélectionnés pour le Tour de l'avenir. L'an dernier, le Tour du Limousin avait permis aux délaissés, c'est-à-dire aux sans-grades, de courir, de se mettre en évidence tout en s'adjugeant des primes toujours très nombreuses en Limousin. Certains coureurs sont par ailleurs qualifiés pour le championnat de France grâce à cette épreuve qui est qualificative de catégorie C. Il en sera sans doute de même cette année. Le piment de l'épreuve sera donné par la confrontation toujours passionnante d'ailleurs entre professionnels et amateurs. L'an dernier, c'est à la suite de l'expérience qu'ils avaient faite dans le Tour du Limousin que des jeunes comme Bertin ont perdu leur complexe et n'ont pas hésité à se jeter dans le grand bain, ce qui leur a permis de s'affirmer dès 1976 comme d'excellents néo-professionnels. Une excellente initiative donc du commandant Perrier, le père du Tour du Limousin, d'une part que de confronter des amateurs et des professionnels, et d'autre part que de donner leur chance aux professionnels sans grade, comme je viens de vous le dire. Il se passe beaucoup de choses autour de moi actuellement, et c'est fort sympathique. Il se passe également beaucoup de choses en automobilisme. Hier, c'est un pratiquement inconnu pour le grand public, un Irlandais, John Watson, qui a remporté le Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Zeldweg. Et Jacques Lafitte a pris la deuxième place sur Ligier. Je vous en ai parlé hier soir. Pour le grand public, la victoire au Grand Prix d'Autriche de cet Irlandais, donc John Watson, sur la Penske, constitue quelque peu une surprise. Pilotes et constructeurs n'ont vu que très rarement apparaître leur nom dans les grands journaux d'information français, mais au moins une fois pour chacun d'eux. Et dans les deux cas, les Français ont fait connaissance avec leur nom à l'occasion de circonstances d'ailleurs dramatiques, comme cela arrive malheureusement bien trop souvent en sport automobile. Pour Watson, ce fut en juin 1970, lorsqu'il sortit de la route à très vive allure sur le circuit de Rouen-les-Essarts. On l'avait retiré de sa voiture accidentée avec de très nombreuses fractures. À 24 ans, beaucoup considéraient que sa carrière en sport automobile était terminée. Eh bien, voyez qu'il vient de démentir ceci. Et puis, la circonstance qui a fait connaître Penske en tant que constructeur auprès du public français est encore plus dramatique. C'était il y a tout juste un an, aux essais de ce fameux Grand Prix d'Autriche, 1975 donc, que Marc Donohue se tuait au volant de la marche, si vous voulez, du Penske Racing. Aujourd'hui, cette victoire tombe à point pour toute l'écurie Penske. Après la mort de Donohue, dont le rôle était capital auprès de Roger Penske, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que technicien, on aurait pu croire que ce dernier allait arrêter là sa carrière de team manager, très brillante, puisque couronné de nombreux succès dans toutes les formules spécifiques aux États-Unis, c'est-à-dire Indianapolis, Can-Am ou Stock Cars. La plupart du temps, d'ailleurs, avec Donohue comme pilote. Aux USA, l'écurie Penske est considérée comme la plus professionnelle et Porsche n'avait pas hésité à lui faire confiance pour la représenter en Can-Am, où la firme allemande a remporté une impressionnante série de succès. Mais le duo Penske-Donohue, après avoir glané tous les succès possibles aux États-Unis, s'était donné un objectif en 1974, ramener les couleurs américaines au sommet d'une formule d'où elles avaient depuis longtemps disparu, la Formule 1. Voilà donc qui est fait. Penske a gagné un grand prix, John Watson a gagné un grand prix, après bien des malheurs, et bien c'est le bonheur qui est revenu. James Hunt, quant à lui, n'a pas fait une trop mauvaise affaire en prenant la quatrième place et de cette manière-là 3 points donc au Grand Prix d'Autriche. Mais on peut aussi considérer qu'il n'a repris que 3 points au leader, c'est-à-dire Niki Lauda, le grand absent de Zeldweg, et qu'à ce rythme, eh bien Hunt n'aura pas de trop des 5 derniers Grands Prix pour devenir champion du monde. Le suspense d'ailleurs en ce domaine reste entier. On notera que les 4 premiers du classement avant l'Autriche, seul Hunt a marqué des points. John Watson fait naturellement un bond en avant et passe de la 8e à la 5e place derrière Jody Scheckter et Patrick Depailler. Lafitte ne procède que d'une place. ne progresse que d'une place, mais ajoute 6 points à son capital grâce à sa seconde place hier, son meilleur résultat de la saison. Mais on note que c'est la 4e fois qu'il marque des points quand même. Il a désormais rejoint Regazzoni, progrès aussi naturellement pour Nilsson et Andretti, mais on soulignera que Peterson marque son premier point de la saison. Peterson, Ronnie Peterson, le Suédois que l'on avait longtemps considéré d'ailleurs comme, lorsque celui-ci était champion du monde, je veux parler d'Emerson Fittipaldi, comme le dauphin d'Emerson Fittipaldi lorsqu'il courait sur les John Player Special de Lotus. Et Ronnie Peterson n'a malheureusement pas confirmé, peut-être est-ce dû à son véhicule, ce qui est souvent le cas en Formule 1. Pour le moment, donc, le classement provisoire après le Grand Prix d'Autriche de ce championnat du monde des conducteurs donne les positions suivantes. Premier, Lauda avec 58 points. Deuxième, James Hunt, 47 points, donc à 11 points du leader encore. Troisième, Jody Scheckter. Quatrième, Patrick Depailler. Cinquième, Watson. Sixième, Regazzoni et Lafitte. C'en est terminé pour l'automobilisme. Voilà. Ça, c'est encore pour moi. Voilà, c'est encore pour moi, c'est vrai. Eh bien, il y en a des choses.
En natation, on vous a parlé de ce fameux record. Sa nationalité sud-africaine interdisait à Jonty Skinner de participer aux Jeux Olympiques. Et on a admis à Montréal d'ailleurs que James Montgomery, auteur d'un magnifique record du monde de 49 secondes 99 centièmes en finale du 100 mètres nage libre, le seul à descendre en dessous des 50 secondes jusqu'à présent, eh bien on avait admis que Montgomery était le meilleur nageur de sprint du monde. 19 jours plus tard, hier, Skinner fait mieux, beaucoup mieux même. En 49 secondes et 44 centièmes, il a dominé le 100 mètres des championnats américains qui se déroulaient à Philadelphie et a stupéfié le monde de la natation. L'étonnant Skinner, d'ailleurs fort sportivement félicité par Naber, rééditait l'exploit de battre les 50 secondes une heure plus tard au départ du relais 4x100 mètres. Un nom que l'on doit retenir et dont on parlera certainement. Oui, Jonty Skinner. La tournée post-olympique se poursuivra ce soir à Nice, au Parc de l'Ouest, où les organisateurs présenteront un plateau riche de 6 champions olympiques. L'épreuve la plus relevée sera le 110 mètres haies, noblesse oblige, avec 4 des 5 premiers de Montréal. Seul le Cubain Casanas ne sera pas là. Guy Druth, chez lui, retrouvera Davenport, qui était 3e à Montréal, Foster 4e et Munkelk 5e. Les autres points d'intérêt seront le 1000 mètres ce soir, avec Boyd, comme vous voulez, contre Voluter et Sujant. La perche avec le surprenant polonais Stusarski, qui retrouvera Buciarski, son compatriote. Les américains Ripley, Porte et Tully, et les trois français Abada, Bello et Tracanelli. Wilkins, au disque, ne redoutera que son compatriote Powell. Aseli Crawford sera là, et Don Quarry également, tant sur 100 mètres que sur 200 mètres. Se mesureront, eux, à Riddick, à Jilk, par exemple, et McTeer. En hauteur, Dwight Stones sera, pour une fois, débarrassé de Vzola. Fatigué, il cherchera à battre son récent record du monde, qui est, je vous le rappelle, ce record du monde de 2,32 m. Et chez les dames, Irina Zvezinska, sur le tour de piste, repoussera facilement, nous pensons, les assauts de l'américaine Sapinter. Donc, avec tous les noms que je viens de vous citer, avec plus ou moins de bonnes prononciations, veuillez m'en excuser. Donc, avec tous ces noms, ce soir, donc, à Nice, s'annonce un excellent match d'athlétisme international, dont, évidemment, les résultats vous seront communiqués demain, lors du Journal des Sports, et nous attendons peut-être, avec une certaine impatience de toute façon, un, pourquoi pas, nouveau record du monde du 110 mètres haies, qui sera formulé par Guy Druth, bien entendu. Bien, c'était pour moi, ça aussi. En général, les sports le lundi ne sont jamais très tristes. Des résultats en vrac en aviron. Championnat du monde junior, la RDA n'a laissé échapper que le titre du 8 remporté par l'URSS. Le 4 de couple français, qui se place 4e, a raté le podium de justesse. Mais enfin, ça arrive un petit peu trop souvent quand même de rater le podium de justesse. En rugby, battu par les Springboks dans le premier des 4 test matchs de leur tournée, les All Blacks ont pris leur revanche samedi à Bloemfontein. Ils ont remporté la 2e manche par 15-9. Et en tennis, l'URSS a battu la Hongrie en finale du groupe A de la zone européenne de Coupe Davis et jouera donc l'une des demi-finales interzone face au Chili, vainqueur de la zone américaine. Nous allons passer maintenant à cette fameuse course en solitaire organisée par notre confrère, le journal L'Aurore, et ce, pour vous donner le point de la course. Ah ben, il n'y a plus rien, voyez, alors des fois il y en a beaucoup pour moi, et puis des fois il n'y a plus rien, c'est dommage. On attaque donc cette course en solitaire organisée par le journal L'Aurore, et nous faisons le point de la course qui a été communiqué par les reporters de L'Aurore. Les coureurs sont actuellement donc dans leur 4e étape et groupés dans un cercle de 10 000 de rayon à peu près. En tête, on a pointé Bernard Pallard sur Roumec de l'Ouvrier. Bernard Pallard, qui, je vous le rappelle, est second actuellement au classement général derrière Guy Cornou, mais ceci à plus de 3 heures. 3 heures à peu près. Deuxième, John Rainforce sur Equinox, fameux navigateur dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, on trouve à 2000 Michel Girard sur la Concorde. À 2000 encore, Guy Cornou, capitaine Cook. Guy Cornou qui est leader de cette épreuve. Annick Martin, la française, qui se défend fort bien, ma foi, qui pilote Bergasol. Et Jean-Pierre Briand sur Skip. Voilà donc les positions aujourd'hui de cette course. Je vous rappelle que les coureurs devraient arriver normalement mercredi prochain, après-demain. Donc, à l'issue de cette 4e étape de la course en solitaire organisée par l'Aurore. Le vent actuellement est un vent de force 2 qui souffle du nord-ouest. C'est un vent constant et actuellement, les coureurs ont une vitesse qui est inférieure à 5 nœuds. Cette étape verra son arrivée à Kerjouanneau-le-Cruesti à peu près mercredi prochain dans la matinée. La distance à couvrir est de 380 000 marins demain. À 13h, au cours de l'émission toujours de François Chevalier, d'ailleurs, au cours du magazine des Pays d'Oc, nous aurons certainement un autre point de la course à faire.
Et ça surprend quand on entend quelque chose de normal sur l'antenne au cours d'un journal tel que celui-ci. Durant cette semaine, il va se passer beaucoup de choses en sport. Nous sommes lundi, je vous ai parlé du week-end. Nous avons fait le point avec pas mal d'épreuves sportives et nous allons évidemment faire le point avec ce qui doit se dérouler cette semaine. En athlétisme, ce soir, donc, le meeting international de Nice. Mercredi prochain, la même chose, mais à Zurich, cette fois-ci, c'est la réunion de Zurich. Et vendredi, le meeting de Berlin-Ouest. En football, mardi à Munich, Bayern de Munich contre Anderlecht. Mercredi, championnat de France de division première, avec notamment Marseille-Saint-Etienne, qui promet d'être un beau match, Lille-Nice, Lyon-Nîmes, Bastia-Nantes et Paris-Saint-Germain-Nancy. Vendredi et samedi, début du championnat de division 2, toujours en football et en moto. Vendredi prochain, Vno, premiers essais du Grand Prix de Tchécoslovaquie. Nous aurons également l'occasion d'en reparler. Et puis, c'est peut-être du sport, ça n'est peut-être pas. Je crois que François sera là également pour juger de ce que je vais vous présenter maintenant. C'est un petit peu extra-sportif, mais néanmoins, c'est un magnifique record qui va être certainement battu. Michel Lolito, l'homme à l'estomac de fer, avait fait la démonstration de son talent au premier festival mondial des records fantastiques à Évry 2 en mars 1976 et au cours de plusieurs émissions télévisées en mangeant de tout, des goulots de bouteilles, du verre, des lames de rasoir, etc. Intrépide, Michel Lolito vient de faire savoir qu'il tentera une performance inédite du 1er janvier au 27 mars 1977, donc pendant 3 mois, manger une bicyclette. Cette tentative se déroulera dans le cadre du Festival mondial des records fantastiques à Évry 2 en présence d'un huissier. On a même pensé à faire venir plusieurs médecins, mais l'histoire ne dit pas s'ils sont spécialisés dans les embarras gastriques. Il va manger une bicyclette. Moi, j'ai mangé quelques gâteaux cet après-midi. J'ai l'estomac un petit peu ballotté par toutes les farces qu'on me fait, mais fort sympathique, ma foi. Je vous dis bonsoir, je vous tire mon chapeau, j'enlève mes chaussettes et je vous retrouve demain soir à 20h. Au revoir. Il plaisante, le Jérémy, mais quand on lui offre un seau de lait comme Joël vient de le lui offrir, il se précipite dessus. Hein, petit goulu, va. Radio Andorre, ça s'écrit joie de vivre. Il est 20h15, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Andorre, vous en avez de la chance. On continue avec Toots and the Miles. C'est le titre Reggae Got Soul. Reggae got soul, reggae got soul, my soul.
Greg Eaglesall, c'était Toots and the Miles. Plus qu'une station-service, une station amie en clair, une station-service en tard en clair, carburants et lubrifiants, service rapide, lavage automatique, lavage à la vapeur des moteurs et des bas de caisse pour camions et voitures. En clair, un dépositaire exclusif de la marque Uni Royal. Faites confiance aux Gaulois et arrêtez-vous à l'une des deux stations en tard. Station-service en clair à Santa Coloma, téléphone 20 989 et à Ancon, téléphone 31 272. Deux stations de l'amitié, ça roule. Charlebois Robert, qu'il ne faut pas confondre avec Robespierre. Tout ça va commencer sous les plaines d'Abraham. La chicane au poignet, comment j'ai te volé. Entre deux joings. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien poigné. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ça, c'est de l'accent canadien. Ça fait tous les temps qu'on plairait au Mexique. Ils font d'argent là-bas pendant que tu chômisses. T'es né pour un petit vin, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Tu pourrais te grouiller. Très simple d'affaire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Je sais que t'es en hostie, pis t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça, vite ça ferait son maudit. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller. T'as un gouvernement qui te vole à tour de bras. Là, on voit le gouvernement, mais débarrasse-toi-en. Moi, je jouais pas comme un chien, pis sans toi, pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, ce pays-là t'appartient. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais grouiller du. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, où es-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul, puis finit par un bec. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller du. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, où es-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul, puis finit par un bec. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. En deux joints, on pourrait faire quelque chose. En deux joints, on pourrait se grouiller le cul. Quand on vous parle du café Ébène, on vous parle des luxuriantes plantations du Brésil. On vous parle de la cour de Louis XV où il fit fureur. On vous parle des filles bronzées et de petits déjeuners rayonnants de joie familiale. Quand on vous parle du café Ébène, on vous fait frémir d'aise. Et c'est pour ça que vous l'achetez. Parce qu'il n'est pas meilleur qu'un autre, hein ?